Ok, bonjour à tous et merci beaucoup d'être tous là. Genre, salle presque comble, donc ça fait plaisir de voir que finalement, un sujet comme Redis, ça peut intéresser pas mal de monde. Ou alors c'est peut-être mon pitch de juste avant qui vous a convaincu. Bref, ça je ne saurais jamais. Mais quelques mots sur moi du coup avant de commencer rapidement. Donc moi c'est Alexandre Daubois, je suis lead développeur Symfony dans l'entreprise Wanadev Digital basée à Lyon. Et je suis aussi contributeur au code source de PHP et de Symfony et aussi contributeur à la doc de Symfony et de PHP. Un peu de traduction aussi, bon bref, ce genre de choses, quoi. Donc comme je vous ai dit, moi je fais partie de l'entreprise Wanadev Digital. Donc cette entreprise, en fait, notre produit phare, c'est de la conception et de la modélisation de maisons en 3D directement dans votre navigateur. Donc si vous avez besoin de faire une cuisine, des salles de bain, ce genre de choses, vous pouvez directement le faire dans votre navigateur et ensuite vous pouvez acheter des rendus photoréalistes de ce à quoi pourrait ressembler votre maison. Donc, par exemple, ça pourrait donner des trucs comme ça. Ça a été fait avec notre outil, donc ça s'appelle Casa, que vous pouvez retrouver sur Internet. Et en fait, dans cet outil, on a eu quelques problématiques. Notamment, en fait, ça a été sur le stockage de tout ce qui est les modèles, les textures, ce genre de choses. Donc tout ce que vous voyez à l'écran, que ce soit l'escalier, les chaises, les tables, on a quoi d'autre? On a le parquet. Tout ce genre de choses, en fait, c'est stocké quelque part pour que vous puissiez ensuite l'utiliser dans votre navigateur. On a mis ça dans des énormes fichiers pour qu'en fait, vous téléchargiez ce gros fichier une seule fois dans votre navigateur. Et ensuite, si vous voulez faire de la modélisation pendant 5 heures dans votre navigateur, même si vous perdez Internet, ça fonctionne. Donc, on a utilisé une technique méconnue pour stocker ces fichiers-là. Ce sont des énormes fichiers JSON. Ça marche pas trop mal, en fait ça fait exactement ce qu'on veut, donc du coup on s'est pas trop pris la tête, on s'est dit on va mettre ça dans des JSON, ça fera l'affaire. Et en fait, quand on veut mettre à jour des modèles, donc c'est-à-dire des chaises, des tables, ce genre de choses dans notre interface, on a besoin de faire ce qu'on appelle un déploiement. Donc il y a quelqu'un qui va dans le back-office, qui va uploader un modèle 3D, changer ses caractéristiques, et ensuite il va faire une demande de déploiement, ça va mettre à jour cet énorme fichier JSON, et ensuite ça va être utilisable dans le front-end. Donc quand on fait une demande de déploiement, ça se passe à peu près comme ça. On a quelqu'un qui déclenche ce déploiement. Il y a la génération du JSON en mémoire, dans un unique process PHP. On upload tout ça vers le cloud. Donc nous, dans notre cas, c'est GCP, on envoie ça dans un bucket. Et ensuite, le front-end récupère ça dans le bucket avec un CDN. Bref, ça marche super bien. Et du coup, ce truc-là a fonctionné pendant des années. Ça continuait de marcher, de marcher, de marcher. Et puis un jour, on a eu un petit problème que vous connaissez peut-être. C'est ce truc-là. Ouais, ça parle peut-être à certaines personnes ici. Qui n'a jamais vu ça ici? Aucune main levée, très bien. Donc on va faire en sorte de ne pas avoir ce souci à nouveau. Du coup, on a eu ce truc-là et on s'est dit, bon, comment on va faire pour mitiger ce problème? Parce qu'on ne pouvait plus du tout déployer nos gros fichiers JSON, hein, c'était terminé, c'est trop gros, on ne pouvait plus rien faire. On a eu une idée de génie, on s'est dit, on va écrire dans un fichier temporaire. Pourquoi pas, finalement? Donc du coup, la réalité de ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris le problème qui était aujourd'hui, on l'a remis à demain, et puis on était content, mais ça fonctionnait. Donc ça, c'était une bonne solution, ça a fonctionné pendant, on va dire, quelques mois. Et puis un jour, il y a notre client qui nous a dit, bon, bah, c'est bien, Casa plan, ça fonctionne bien. Maintenant, on aimerait mettre tout ça dans le cloud pour pouvoir scaler plus facilement, etc. Donc c'est là que bah, le cloud est arrivé, avec tout ce qu'on lui connaît, donc Docker, Kubernetes, toutes ces choses, toutes ces joyeusetés. Et nous, quand on nous a dit on va devoir aller dans le cloud alors qu'on venait d'écrire dans un fichier temporaire, bah, ça a été un peu notre réaction en disant c'est un peu problématique parce que du coup, bah, le problème qu'on avait remis à demain, finalement, il est aujourd'hui et il est urgent. Donc il a fallu réfléchir à ce problème parce que du coup, le cloud arrivait, il fallait trouver une solution, il n'y avait pas le choix. Ce n'était pas demain, mais ça arrivait bientôt, donc il fallait faire assez vite. Donc on s'est dit, où est-ce qu'on peut écrire notre fichier en construction? Et en plus de ça, comme je vous ai dit, notre fichier est grossi de plus en plus. Donc, on pourrait profiter du cloud pour avoir une infinité, théoriquement, de pods pour paralléliser le traitement, générer ce fichier JSON, et une fois que c'est parallélisé, on envoie tout, etc. Comme ça, au moins, on pourrait faire, par exemple, popper 2000 pods dans le cloud, et ça irait 2000 fois plus vite. Sauf qu'avec un fichier temporaire, tout ça, bon, pour l'instant, ça ne fonctionnait pas. Donc, on a réfléchi aux solutions qu'on avait pour stocker ce fichier JSON avant de l'envoyer dans le cloud. Donc déjà, en mémoire, non, c'est un système de fichiers, pardon. Bah, dans le système de fichiers, en fait, c'est beaucoup trop lent et c'est pas adapté au cloud. Donc du coup, ça ne règle absolument pas le problème. On a pensé aussi potentiellement à le mettre en mémoire parce que c'est beaucoup plus rapide, mais c'est limité par PHP et c'est toujours pas adapté au cloud parce qu'évidemment, si chaque instance de notre application a sa propre mémoire quelque part, bah, on ne pourra pas récupérer la mémoire de tous les pods en même temps. Bref, c'est un peu compliqué. La base de données, pourquoi pas, c'est quelque part qui est unique. C'est un endroit qui est unique pour tous les pods où tout le monde peut aller écrire en même temps, sauf que le problème, c'est que c'est trop intense pour l'IO et il y a les FinOps, donc les gens qui font de la technique mais qui vous disent aussi que vous coûtez cher, qui ont dit non. Donc il a fallu trouver autre chose. Et donc on se retrouve devant une problématique qui est il faut trouver quelque chose qui est partagé entre tous les pods, qui se trouve en mémoire, ce serait mieux parce que du coup, c'est quand même vachement plus efficace et qui a de la grande capacité potentiellement si nos fichiers JSON font peut-être 2, 3, 4 gigas, quelque chose comme ça. Et c'est là que ça a paru un petit peu comme une évidence. Bah, c'est Redis. Redis, on l'utilisait parce qu'on voulait stocker nos sessions Symfony dedans et c'était la seule chose pour laquelle on l'utilisait. Donc on avait vraiment une instance Redis avec des gigas de mémoire juste pour stocker des sessions. Un peu dommage. Pour les personnes qui ne connaissent pas Redis, du coup, c'est un truc qui va très vite, très vite. C'est tout en mémoire, c'est écrit en C. C'est une base de données, mais une base de données, on va dire, simplifiée, dans le sens où c'est vraiment de la clé et de la valeur. Donc, globalement, c'est juste ça. Donc, comment ça s'utilise? C'est hyper simple. Le slide ne passe pas, voilà. On va pouvoir faire un set MyKey à une valeur. Ça va nous dire, OK, on peut récupérer la clé, ça nous récupère de la valeur. Fin de l'histoire. Ça, c'est Redis, mais du coup, on se dit, mais comment est-ce qu'on va pouvoir générer nos fichiers JSON alors que finalement, là, on est avec des clés, des valeurs, c'est pas fou, ça n'a pas l'air super adapté. Et c'est à ce moment-là qu'on a découvert les streams dans Redis. En fait, les streams, c'est une structure de données qui a été ajoutée il n'y a pas très longtemps dans Redis. Pas très longtemps, ça fait peut-être 2-3 ans, mais bon, Redis ça existe depuis bien plus que ça. Et en fait, les streams, c'est donc une structure de données qui est en append only, avec un identifiant par ordre chronologique d'ajout, et c'est rapide. Pourquoi je vous dis que c'est rapide? C'est que du coup, dans la doc, il y a marqué qu'on peut faire à peu près 1 million d'insertions par seconde sur une machine qu'il qualifie de moyenne. Alors, allez savoir ce que ça veut dire, mais en tout cas, c'est marqué dans la doc officielle. Et donc, du coup, on se retrouve avec Redis, qui pourrait être notre point d'entrée unique pour tous les pods dans le cloud. Donc, notre demande de déploiement qu'on a vu tout à l'heure, où on avait demande de déploiement, génération du fichier en mémoire et upload dans le bucket, bah maintenant, ça ressemblerait peut-être plutôt à quelque chose comme ça. Voilà la demande de déploiement. Et là, en fait, on aurait quelque chose qui pourrait dispatcher des milliers de messages dans un PubSub ou un RabbitMQ ou ce que vous voulez, et qui ensuite va déclencher autant de workers qui vont chacun générer des petites parties du JSON, envoyer tout ça dans Redis qui serait le point central. On aurait à la fin un worker qui prendrait notre stream, qui va concaténer tout ça et qui va l'envoyer dans le cloud. Donc, on va se concentrer un tout petit peu sur cette partie. On va regarder un tout petit peu de code, mais on va pas rentrer trop dans les détails, mais un petit peu pour voir un petit peu à quoi ça ressemble. Donc, on aurait un message handler. Donc, globalement, c'est une fonction qui va être exécutée en asynchrone par des workers. On va commencer à prendre notre petit bout de JSON. Donc, on va prendre le message getComponent. Donc, un composant, ça va être par exemple une chaise, une table, ce genre de choses. On va le sérialiser en JSON, juste ce petit bout-là. Ensuite, on va ajouter ce petit bout dans le stream, donc avec Redis xAdd. Donc, on utilise ici la bibliothèque Predis pour PHP Redis, tout simplement. On va l'insérer du coup dans notre stream avec un ID unique. Et ensuite, à la fin, on va faire une vérification de consolidation. Donc, ça veut dire qu'on va vérifier est-ce qu'il y a d'autres petits composants, est-ce qu'il y a d'autres chaises, d'autres tables, etc. à sérialiser. Si oui, alors on ne fait rien. Et sinon, tout a été fait, alors dans ce cas-là, on peut envoyer un message pour dire « Ok, le stream est fini de construire, maintenant, on peut tout concaténer et on devrait obtenir notre gros fichier à la fin. » Parce que du coup, on aura pris tous nos petits bouts de JSON, tout mis à la suite, et normalement, on a notre fichier JSON. Donc on a fait ce truc-là, on était super contents, on a concaténé le stream, et on était très contents de nous parce que du coup, ça fonctionnait bien. On lance la commande, Et voilà, ça ne marche pas. Voilà, on pourrait se dire peut-être des semaines de dev foutues en l'air. Non, ça allait. Mais par contre, du coup, on a eu encore ce problème de memory size. Parce qu'en fait, il nous manquait une dernière étape. Ce qui s'est passé, c'est qu'au moment où on a concaténé le stream, bah, c'est bien, en fait, on a généré notre fichier JSON qui fait peut-être 1 giga dans le stream, super, par petits bouts. Sauf que d'un coup, on a voulu prendre toutes les données du stream, les mettre dans un gros fichier et l'envoyer dans le cloud. Donc en fait, on a juste déplacé le problème parce que notre process qui s'occupe de consolider le catalogue de produits, eh ben, il se retrouve en fait en train d'exploser en mémoire. Donc la petite dernière étape, ce serait de faire de l'écriture par chunks. Donc on lirait un petit bout du stream de Redis, on écrit dans le cloud ce petit bout, on vient chercher le prochain, on le re-upload, etc. etc. Ça, c'est notamment possible grâce à ce qu'on appelle des générateurs ou fonctions génératrices. Alors, je ne sais pas si vous êtes familier avec ça, c'est avec le mot-clé yield, mais globalement, ça se passe comme ça. C'est quand vous avez une fonction génératrice et vous passez dans un for each, la fonction génératrice va s'exécuter, elle va essayer de trouver la prochaine instruction yield, et la valeur va immédiatement être retournée plutôt que d'exécuter la suite de la fonction. Ça vous permet vraiment en fait, de générer des valeurs à la volée sans avoir besoin de générer l'intégralité de votre jeu de données, parce qu'en fait, c'est retourné au fur et à mesure. Donc une fois que la valeur est retournée, exécution du corps de la boucle, comme je vous ai dit, et une fois que la boucle arrive à la fin, on revient au for each, il y a la fonction génératrice qui s'exécute à nouveau jusqu'à la prochaine instruction yield, s'il y en a une, et on fait ça jusqu'à ce que le générateur soit terminé. Donc globalement, ça ressemble à quelque chose comme ça. Donc on aurait une classe qui serait un JSON Redis Stream encodeur. Et donc comme vous pouvez le voir, on a une fonction encode. Et ce qu'on va faire, c'est que cette fonction génératrice, ben, quand on va la mettre dans un for each, on va commencer à rentrer dedans. Donc on va mettre index 0, OK, et d'un coup, on va avoir yield immédiatement. En fait, on va juste retourner le premier caractère de notre fichier JSON. Et donc, qu'est-ce qui se passe ici? Il y a le yield, on retourne directement dans la fonction for each tout en bas, on upload ce petit chunk, donc on va juste uploader en fait une braquette. On retourne dans la fonction, on rentre dans la boucle yield, on va récupérer la valeur dans notre stream avec le stream ID qu'on a vu tout à l'heure. On va yield à nouveau la prochaine donnée du stream en ajoutant une virgule si on a besoin, vu qu'on est dans un fichier JSON à nouveau. On retourne dans la fonction, dans l'appel du for each, on re-upload le chunk, on fait du ménage dans le stream, on revient et ensuite on continue d'uploader le chunk jusqu'à ce que le stream soit vide grâce à la boucle while. Tout ça, voilà, ça, vous le faites à la main, ça fonctionne assez bien. Mais du coup, pour les besoins, pour ce besoin-là, je me suis dit que finalement, j'allais peut-être coder une petite lib qui pourrait être utile pour tout le monde, parce qu'on n'est peut-être pas les seuls à avoir ce souci-là. Et du coup, c'est comme ça qu'était né LazyStream, qui permet de faire à peu près ce que je viens de vous montrer. En fait, avec LazyStream, vous avez la possibilité du coup d'avoir donc un data provider, donc une fonction génératrice. Donc on reprend notre JSON Redis Stream encodeur d'avant avec encode. Le fait d'appeler encode comme ça alors que c'est une fonction génératrice, ça ne va pas exécuter la fonction génératrice. Ça va juste récupérer une référence, on va dire, vers cette fonction-là, sans même l'exécuter pour l'instant. On va ensuite déclarer un nouveau LazyStream Writer avec l'URL de là où on veut l'envoyer. Donc là, en l'occurrence, c'est Google Storage, le bucket, catalogue.json, et on lui passe notre fonction génératrice en paramètres. Pour l'instant, il ne s'est rien passé. Le stream n'a pas été ouvert. La connexion vers GCP, enfin vers Google Storage n'a pas été ouverte non plus. Jusqu'au moment où on va appeler la fonction trigger, ligne 12. À ce moment-là, on va ouvrir la connexion vers Google Storage et on va unwrap la fonction génératrice. Et à chaque fois qu'on va avoir un yield de cette fonction génératrice, on va l'uploader vers le bucket. Et ainsi de suite, comme je vous ai dit. En fait, tout ça, c'est un petit peu un wrapper de tout ce que je vais vous montrer jusqu'à maintenant. On lui donne une URL. Donc là, ça supporte les streams PHP. Donc du coup, ça marche avec FTP, HTTP, un petit peu tout ce que vous voulez. Vous lui passez une URL et un générateur, et ça va s'occuper ensuite d'unwrap ce générateur pour tout envoyer dans le stream que vous lui passez. Il y a la possibilité aussi de faire du multiplexing, c'est-à-dire que vous pouvez donc encore une fois récupérer votre encodeur, enfin votre fonction génératrice avec encode comme on a vu ici, et on peut avoir un multi-LazyStream Writer qui va nous permettre d'écrire cette fonction génératrice, les données de cette fonction génératrice vers plusieurs destinations. Imaginons on veut faire de la sauvegarde de base de données par exemple, et ben on pourrait lui passer, voilà, on a envie d'aller sauvegarder notre base de données sur Google Storage, mais aussi sur S3 et puis sur un FTP, etc., pour être sûr que tout va bien, eh bien, on peut utiliser le multi-LazyStream Writer qui va unwrap une seule et unique fois la fonction génératrice, mais qui va l'écrire de partout, là où vous avez besoin d'écrire tout ça. Et encore une fois, tant que vous n'avez pas appelé trigger, il ne se passe rien. Aucune connexion n'est lancée, rien n'est fait. C'est seulement au moment où vous appelez trigger qu'il se passe réellement quelque chose. Voilà, donc ça c'est disponible sur Composer si jamais vous en avez besoin. Mais malgré LazyStream, etc., je tiens quand même à rappeler que c'est grâce à Redis que tout ça, ça a été possible, parce qu'on avait vraiment du coup notre point d'entrée unique pour l'intégralité des pods qu'on avait dans le cloud, un truc qui peut avoir des gigas et des gigas de mémoire vive, qui est ultra rapide. Bref, c'est un petit peu ce qu'on avait vu tout à l'heure, c'était que c'est partagé, c'est en mémoire, c'est une grande capacité. Donc voilà, c'était vraiment la solution clé. Et ensuite, voilà ce petit bout avec le LazyStream qui nous permet d'écrire bout par bout dans nos buckets et dans le cloud. Et ça a permis du coup de résoudre tous nos soucis. Et maintenant, on peut écrire, si on veut, 50 gigas de JSON. C'est peut-être pas la bonne solution, mais c'est possible, sans avoir de problème de mémoire. Voilà, merci beaucoup. Et si vous avez un feedback, eh ben, je le prendrai avec plaisir. Nous avons le temps pour quelques questions. Bonsoir, enfin bonjour. Merci pour la réponse. Question un peu annexe, mais du coup, comment vous gérez en front le fait que vous téléchargiez plusieurs gigas? Eh ben, en fait, le fait qu'on a une durée d'activité des utilisateurs sur notre application qui, en fait, certains utilisateurs passent 3, 4, 5, 6 heures d'affilée sur le modélisateur. Donc en fait, avoir à la rigueur un téléchargement de peut-être 2, 3, voire 5 minutes, voire peut-être un peu plus, au lancement de l'application, on s'est rendu compte que ce n'était pas dérangeant pour les utilisateurs parce que du coup, ils vont laisser ça ouvert toute la journée sur leur navigateur, pendant les week-ends pluvieux d'ailleurs, c'est vrai stat. Pendant les week-ends pluvieux, les gens font leur maison. Et du coup, en fait, c'est pas dérangeant d'avoir voilà, ce temps de chargement qui peut être un peu pénible au début, mais par contre, une fois que c'est là, ça fonctionne, même s'il y a des coupures d'internet ou quoi que ce soit, ça fonctionne et bah, c'est OK pour les utilisateurs. Donc pour l'instant, ça nous va. Après, on est en train de réfléchir à passer peut-être tout ça en API avec du cache, des CDN, ce genre de choses devant. Mais ça, c'était la solution historique. Et il fallait qu'on compose avec ça le plus vite possible parce que ben, on avait des délais à tenir, donc c'était la solution qu'on a retenue. C'est peut-être pas la meilleure, mais en tout cas c'est celle qui fonctionne pour nous aujourd'hui. Ben, ravi de voir que ça a été clair.